le capitaine Vulcan. Voiture d'escorte détruite. Ok, ça roule. Laissez vos armes, je suis pas là pour les faire vibrer. Ça va tout le monde? Putain, ce que j'aime mon boulot. Venez. Avancez sans moi. On peut y aller. Le camion de transmission est sous contrôle. Les hommes de Qatari vont venir chercher le matos. Pac, ici Nomade. Le convoi est à nous. Gracias, gracias. Nous ferons bon usage de ces provisions. Mes hommes recherchent la Yuri et El Polito. D'ici là, vous pouvez faire autre chose pour nous. J'ai préparé un discours pour le peuple de Bolivie. Un appel aux armes que nous diffuserons depuis Itaqua. La Santa Blanca enverra forcément des troupes pour couper le signal dès qu'elle entendra ça. C'est bien ça le problème. Il faut qu'une personne de confiance trouve un émetteur radio et le protège jusqu'à la fin de la diffusion. Ok, Qatari. On fera le nécessaire. Sors de là, vite. Ne force pas à employer la manière forte. Comment va ? Anda un compa por acá. Prêt? Feu à volonté. Compris. C'est bon, je l'ai eu. Commence à les arroser, ces enfoirés. Leur lieutenant essaie de s'échapper. Voler un hélico, ça vous tente? Celui-là est bourré de provisions qui pourraient servir aux rebelles. On le chope. Terminé pour lui. Il n'y avait vraiment pas besoin. Joli tir. Allez, on fait le ménage et on avance. On déploie une balise. Les rebelles enverront quelqu'un récupérer les marchandises. J'ai trouvé le bordereau de fret d'un avion logistique du cartel. La cargaison a l'air prête à partir. Le matos dans le camion serait utile aux rebelles. T'en penses quoi, chef? Tu veux voler un avion? On bouge.
boulot. Je vais transmettre les coordonnées de l'hélico aux rebelles. Ils s'occuperont du reste. Le groupe rebelle de Pakatari est au bord de la défaite. Si on les aide à inverser la vapeur, on pourra compter sur son appui par la suite. On doit bien pouvoir déterrer les infos dans le coin. On a de la compagnie, tenez-vous prêts. J'ai repéré un sicario, solo. Le pont. À terre, tu vas te faire griller. Un narco du cartel, à côté des ruines. On peut y aller. Leur lieutenant est en fuite. Double feu. Gâchez pas des balles sur lui. Hé, hey, arrête ça. Lui attention aux balles perdues. Civil touché. J'ai localisé une station radio rebelle désactivée par le cartel. On va rectifier ça. Il est quand même pas gêné, le petit père Katari. On lui donne le doigt, il demande tout le bras. S'il arrive à localiser Yuri et Polito, ça vaut le coup. Allez, à nous de jouer. Oui. Le groupe rebelle de Pakatari est au bord de la défaite. Si on les aide à inverser la vapeur, on pourra compter sur son appui par la suite. Yeah.
Désolé, camarade. Il me faut ta caisse. Sors. Tout le monde est prêt. Feu! J'exécute. J'attaque l'ennemi. Leur officier pour le camp. Mierda, chingada madre! Hay un putero de soldados gringos acá! Mátenlo! À ton signal. Eh merde, on est repéré. En position. Feu! Compris. Doucement, Camille. T'imagines pas de quoi je suis capable. Está bien, ganaron. Por fin llegó el pinche apoyo que estábamos esperando, perros. Vamos tirando mis chingas, pinche puta de la puerta donde estaban los putos que íbamos a pelear. Ouvrez le feu. Bien sûr. Retranchez-vous. Dès le début de la transmission, le cartel va mettre le paquet pour l'arrêter. Ces fumiers. Les metteurs encaissent beaucoup trop de dégâts. Les sicariens.
à t'en tirer, tu m'entends? Je suis presque là. Les Sicarios sont en train d'exploser l'émetteur. Le message est passé. C'est les rebelles qui vont être contents. Bravo, compadre. Mon discours a résonné dans toute la Bolivie. Sinon, quelles nouvelles de Yuri et Polito? Rien pour l'instant, amigo. Ils savent couvrir leurs traces, ces deux-là. Mais mes hommes sont sur le coup, on les retrouvera bientôt. D'ici là, mes frères révolutionnaires d'Itaqua se tiennent à votre disposition. Si vous avez besoin d'eux, appelez-les et ils viendront. Je tâcherai de m'en souvenir. Je connais peut-être quelqu'un qui pourra vous aiguiller vers Yuri et Polito. Je t'écoute. L'un de mes lieutenants a réussi à leur échapper. Il s'est réfugié dans un village appelé Kulta. Au lieu de livrer mon lieutenant au cartel, les villageois l'ont caché. Ça, c'est ce que j'appelle de la bravoure. Pour les punir, la Santa Blanca a rasé chaque maison et exécuté tous les villageois. Putain. Mon lieutenant est toujours en vie. Sûrement en attendant de se faire tuer de façon encore plus immonde. Bien compris. On file direct à Kulta.